Bienvenue tout le monde, c'est Wolfgang. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Sur Clash Royale. Ça, c'est l'habitude, vous savez, les amis. Maintenant, entre Clash of Clans et Clash Royale, je m'embrouille. On se retrouve aujourd'hui, non pas sur une vidéo sur Clash Royale, mais sur Clash of Clans. Donc, comme vous l'auriez pu le constater, je suis donc sur mon premier compte et je suis sur ordinateur. D'où la petite souris que vous voyez juste ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on va tester une nouvelle technique. J'ai pas encore trouvé le nom, mais vous l'aurez vu dans le titre de toute manière. Avec les fameux petits boulistes, les géants, et puis quelques troupes avec, mais qui ne font pas partie de la compo, juste des troupes de grattage, et puis pour les murs. Avec, j'ai ajouté 3 sorts de soins, 4 de séisme et 1 de poison. Ça peut être intéressant, je trouve. Voilà, donc jetons un coup d'œil à mon petit village qui petit à petit devient plus préma. Voilà, hein, puisque en effet, j'ai quasiment maintenant toutes mes tours d'archer au niveau 11. Voilà, on peut en voir une ici. Ok, le petit bruit, bon, c'est pas grave. Voilà, les tours d'archer juste ici. Voilà, j'en ai pas mal. Et donc juste après ça, je vais améliorer certainement mes TS là. Et après, on partira les Arcs, je pense. Après, on fera les tours de l'enfer, etc. Bref, et j'améliore aussi petit à petit mes héros qui seront bientôt niveau 15. Et ça fait plaisir. Allez, les amis, on part. Donc, pour trouver une petite attaque. Donc, on va pas se chercher un joli. Enfin, on va se chercher quelqu'un qui ne soit pas trop fort. Vous vous en doutez, hein. Puisque dans les derniers épisodes, on s'était attaqué à des bases assez fortes. Et on n'avait pas fait le poids. Et là, il nous faut du butin. Et je pense. Ouais, non. Ah là, si on attaque ce mec, c'est trop facile. Avec tous nos géants, non? Bon, franchement. Ouais, non. Non, non. Allez, on veut quand même un peu plus de challenge. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, sinon, c'est pas drôle. Bon, je vais chercher un petit peu avec vous. Si jamais c'est trop long, on fera une petite coupure. Mais je pense qu'on devrait trouver d'ici peu de temps, normalement. En tout cas, j'espère. Bon, en tout cas, voilà. Donc, ce petit épisode de Clash of Trolls, qui est le 10e, je crois. Donc, ça fait plaisir que cette série continue. À l'occasion. Ah, bah, je pense que je vais l'attaquer. Je vais attaquer celui-là. En plus, il a les. Les. Ah, ouais, en plus, il a ça. C'est énorme. Ouais. Ok, on va attaquer lui. Donc je disais en plus, à l'occasion de ce 10e épisode, je pense que je vais certainement changer les miniatures. Parce que la miniature est un peu bof, je trouve. Donc on va la taguer. Alors les gars, on va envoyer en fait les géants en ligne juste ici. Hop, excusez-moi pour le lag, voilà. Et en fait, on va envoyer les boulistes juste derrière, comme ceci, voilà. Avec les petits sapeurs pour que ça rentre. Et voilà, le roi, la reine. Et on va voir, on envoie un petit sort ici, un 4 séisme. Comme vous l'auriez deviné, le petit poison, ouais, d'accord, ça a dévié un petit peu. Waouh, hein. Waouh, ça a dévié. Bon, il y a des troupes qui sont parties au centre, d'autres non. Ouais, ça a pas mal dévié malheureusement. Bon, les géants qui sont quasiment tous morts, mais vous voyez que quasiment aucun bouliste n'est mort pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher. Je sais pas. Allez, non, je pense que c'est bon. On va pouvoir aller chercher l'HDV. C'est bon. Oui, c'est bon. Là, l'HDV va bien tomber, hein, en effet. C'est bon, les amis, c'est cool. On va mettre. Ah, j'ai pas activé le pouvoir du roi, hélas. On va mettre un petit guérison ici. Je suis pas sûr que ça fasse trop d'effet. Allez, on va essayer d'aller chercher. Ce 2 étoiles, les amis, je sais pas si ça va être possible ou pas, on l'espère. Bon, dans le pire des cas, j'ai des troupes de grattage, donc on va voir ce que ça donne. Ok, bon, 41%, ouais. Alors, on va envoyer un petit archer ici. Hop, on va envoyer un autre archer ici. Allez, c'est bon, ça passe. On va envoyer. Où est-ce que ça passe? Ici, peut-être? Non, ça passe pas. Ici. Ah, ça passe pas. Bon. Les amis, je crois qu'on va partir sur une étoile, malheureusement. Bon. En tout cas, ce n'est pas un fail.
Et comme, parce que bon, dans les épisodes précédents, je sais pas, voilà, les deux derniers, si vous les avez pas vus, allez les voir. Mais bon, c'est des fails, comme vous auriez pu vous en douter. Donc voilà, ok, bon, bah au final, c'est pas trop mal, on a fait 44% une étoile. Donc une technique, bon, géambouliste, c'est pas trop terrible. Voilà, non, ça on s'en fout. Parce que bon, moi clairement je pense que avec les boulistes, c'est mieux d'avoir des gros tanks de type golem plutôt que des géants. Parce que bon là clairement les géants se sont fait assez défoncer. Hein. Encore d'accord, bon, ok. Je reçois une notification, laissez tomber, bref. Voilà, bon. Voilà, pour récapituler, on a envoyé les géants ici en haut. Vous voyez que la tour de l'enfer ici a bien tapé. Et j'ai, en fait, je pense que là, j'ai envoyé mes sapeurs trop tard. Du coup, les géants ont pris tarif, en fait. Je crois. Et c'est ça qui a causé, qui a fait un défaut, en fait. Et là, regardez, les géants ont pris très cher ici. Pourtant, j'avais mis un sort de poison pour éliminer tout ça. Encore heureux que la reine est partie là. Là, le roi que j'ai totalement zappé, malheureusement, le pouvoir que j'ai oublié. Voilà, donc RT si t'es triste, j'ai envie de dire. Et puis, les petits archers de la fin, bref. Bon, en tout cas, c'est une petite voilà, une petite victoire bien sympathique qui fait plaisir. Voilà. Bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas à venir dans le clan War Army. On est combien actuellement? On est combien? On est 37 sur 50. Voilà, vous pouvez venir si vous correspondez à cette petite description. Voilà. Bon, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et puis, mettez un pouce bleu et des commentaires, voilà, pour me donner vos avis. Voilà, c'est toujours sympa. Bref, je vous dis à la prochaine. Stay Wolfgang. Et peace tout le monde!